En séjour de travail dans le département de Pointe-Noire, Pierre Mabiala, ministre d'État en charge des affaires foncières et du domaine public, était ce mercredi 9 juin 2021 à l'hôtel du conseil départemental du Cuilu, en face des distingués conseillers départementaux, des agents de l'ordre public et du cadastre. C'était en vue de cerner sur le litige foncier observé au niveau de la baie de Luango, où un sujet français a occupé sans autorisation préalable l'espace ayant servi à la déportation des esclaves vers l'Amérique et les Antilles. Après avoir écouté religieusement la déposition du français, le ministre Pierre Mabiala, avec des dispositions juridiques à l'appui, a démontré aux yeux de tous que cet acte posé est en violation avec la loi et qu'il faille, dans les médias, restaurer l'autorité de l'État. La décision du gouvernement de la République est la suivante. Dès demain, nous allons procéder à la démolition de tout ce qui a été érigé in situ. Un point, c'est tout. Pour que l'État rentre en possession, en jouissance de sa propriété en termes de domaine public de monuments, en termes de domaine public culturel. Regardant de cette situation incongrue, cet espace pourtant touristique et chargé d'histoire doit être un patrimoine culturel qu'il faut garder jalousement, car il intègre le projet de développement du tissu socio-culturel du Congo-Brazzaville. Voilà qui a motivé l'autorité gouvernementale de passer à l'essentiel, c'est-à-dire à la démolition du mur de clôture construit sur l'emprise maritime. Comme quoi, nul.